marche comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Page spéciale, un espace réservé pour vous. La radio Tegra vous donne l'opportunité avec sa rubrique Page spéciale. De 0 à 50 minutes, vous avez la possibilité de passer en direct pour informer, expliquer, parler de votre société, votre établissement, votre église et vos produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 696 64 64 ou rapprochez-vous à la radio Tegra, 6 au quartier Kwikou. Précisément à Vonvon, à l'arrêt-étage, dans l'enceinte de l'immeuble, au troisième niveau. La radio Tegra, votre partenaire de la grâce. Bonne condition d'écoute. Je suis le fruit de tes entrailles. Shalom, peuple de Dieu. C'est votre émission du jour. L'émission Tourisme au ciel. Car cette émission est présentée par le docteur Véracité Katen. Docteur, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Alors, l'homme de Dieu, je voudrais vous poser quelques questions. Dites-nous, pourquoi cette émission est nommée Tourisme au ciel? Cette émission est nommée Tourisme au ciel. C'est pour amener le commun des mortels, les hommes, les femmes, les enfants, autrement dit tous les humains, à pouvoir connaître dans toutes ses limites le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous avons dénommé cela Tourisme au ciel, pour que chacun ait désormais une connaissance exacte sur ce que c'est le royaume de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, dites-nous, quelles sont les différentes rubriques de votre émission? Merci. Cette émission a quatre rubriques qui nous permettront de découvrir le royaume des cieux. Parmi les rubriques, nous avons l'enseignement, rubrique au travers de laquelle nous allons donner des enseignements en ce qui concerne les choses du ciel. Deuxième rubrique concernera les questions et les réponses sur les choses du ciel. Troisième rubrique, c'est sur les témoignages pour honorer le Seigneur, soit par rapport aux bienfaits que le Seigneur a accordés, ou ces témoignages liés aux visions ou aux différentes expériences de l'au-delà que le Seigneur aura à nous faire bénéficier. Et la dernière rubrique est celle qui concerne les prières. Ce sera des moments forts où nous allons passer dans les prières liées plus à l'intercession pour le salut des familles, de la nation, pour notre propre épanouissement spirituel, etc. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, peuple de Dieu, peuple de la ville de Pointe-Noire, je vous ai présenté, c'est le docteur Véracité Katen, et c'est lui qui est à la présentation, à la supervision, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Christo Nanga. Alors, docteur, dites-nous, quel est le thème que vous avez réservé pour aujourd'hui? Bien-aimé Christ, le thème d'aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque. Bien sûr. Docteur, pourquoi avez-vous choisi de parler sur la Pâque? Merci pour cette question. J'ai décidé de parler de la Pâque dans nos premières séances d'émission parce que, en tant que sentinelle de Dieu, en tant que responsable de l'enseignement dans la maison de Dieu, j'ai compris que
plusieurs dans le monde, tant du côté païen que du côté des enfants de Dieu, la Pâque est négligée. Elle est prise à la légère, alors que nous oublions que la Pâque est un mystère qui cache les autres mystères de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la Pâque est en elle-même le résumé du dessein eschatologique de Dieu. Autrement dit, dans la Pâque, nous retrouvons la première venue de Jésus, nous retrouvons l'enlèvement de l'Église, nous retrouvons également la venue du Saint-Esprit et également le deuxième retour de Jésus sur la terre pour le salut des Juifs. C'est cette réalité qui échappe à plusieurs personnes sur la terre en ce qui concerne la Pâque. Voilà pourquoi il est désormais temps que nous puissions apprendre à comprendre réellement c'est quoi la Pâque. Voilà pourquoi nous avons désiré faire tout le long de ces différentes émissions une étude sérieuse sur la profondeur de la Pâque. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, nous voulons comprendre la définition de la Pâque. En ce qui concerne la définition de la Pâque, nous ne pouvons inventer de définition ni philosopher à propos, sinon que, comme le déclare notre émission Tourisme au ciel, nous référer au ciel. C'est-à-dire revenir auprès de Dieu pour savoir ce que c'est la Pâque. Littéralement, le mot Pâque vient du mot hébreu Pacha, plutôt le mot hébreu Pesha, lui-même venant du verbe hébreu Pacha, qui signifie le verbe passer. Voilà littéralement ce que signifie la Pâque. Alors, en ce qui concerne la Pâque elle-même, en dehors de sa définition étymologique qui signifie passé, dans Exode 12, le Seigneur Dieu lui-même nous donne les définitions sur la Pâque. Et le Seigneur, lorsqu'il donne les définitions sur la Pâque, il nous invite à comprendre un élément, plusieurs choses. Et parmi les définitions que Dieu donne dans Exode 12, Dieu définit la Pâque comme étant un passage, et sur cette définition sur la Pâque comme étant le passage, plusieurs personnes se permettent de mettre des spéculations à propos pour dire pourquoi passage, soi-disant d'après eux, à la traversée d'Israël de la mer Rouge, voilà pourquoi cela s'appelle passage. Alors que cette pensée, quand les gens sont est totalement fausse. Parce que lorsque Dieu définit passage dans Exode 12, Dieu dit lui-même que ce passage n'est pas lié à la traversée de la mer Rouge, mais il est lié au passage de Dieu sur les maisons tant des Hébreux que des Égyptiens à la 10e plaie que Dieu s'apprêtait à frapper le peuple égyptien, qui concerne la mort des premiers-nés. Et c'est Dieu lui-même qui le dit dans Exode 12. Et même dans Exode 13, Dieu dit, je passerai. Voilà pourquoi il demande aux Hébreux d'appliquer le sang de la victime qui sera immolée sur les linteaux et devant leurs portes. Donc, la première définition que Dieu donne ici, c'est que la Pâque, c'est le passage de Dieu sur les maisons des Hébreux et des Égyptiens. Ça, c'est la première définition que Dieu donne en ce qui concerne la Pâque étant passage. Alors, toujours dans ce même, vous pouvez vous référencer précisément dans Exode 12, les versets 13 et les versets 23. La Pâque également prend pour signification une commémoration de ce passage de Dieu. Et cette signification, nous trouvons cela toujours avec Dieu lui-même dans Exode 34, les versets 25, Nombre 9, les versets 2. Vous allez trouver ces significations-là. Donc, pour Dieu, non seulement que ça traduit son passage sur les toits des Hébreux et des Égyptiens, mais également la commémoration de ce passage. Dieu appelle cette commémoration également Pâque. Dieu descend encore pour donner une troisième définition sur la Pâque. Dieu dit aux Hébreux que la Pâque signifie
l'agneau qui est immolé, ou encore le chevreau, sinon la victime qu'on doit immoler, Dieu lui donne aussi le nom, sinon la signification du mot Pâque. Vous pouvez retrouver cela dans Exode 12, les versets 21, Deutéronome 16, les versets 2, Esdras, chapitre 6, les versets 20. Dieu continue encore pour donner encore une autre signification à la Pâque. Et Dieu dit cette fois-ci que la Pâque signifie également la fête des enzymes, c'est-à-dire la fête des pains sans levain. Vous pouvez remarquer cela dans Exode 23, le verset 15, Deutéronome 16, verset 16, Luc 22, le verset 1. Voilà les définitions que Dieu donne en ce qui concerne ce mot de Pâque. Pour ouvrir une parenthèse, lorsque nous allons en latin pour définir le mot Pâque en latin est défini comme étant l'asqueia, qui signifie simplement en latin nourriture. Donc voilà, bien aimé, pour la définition du mot Pâque. Alors, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous avons encore quelques questions. Comment cette fête de Pâques est-elle apparue? Pour parler de l'apparition de la Pâque, ce qui m'amène ici déjà à comprendre votre question, que vous m'invitez à expliquer, à dire autrement, comment cette fête de la Pâque a-t-elle été instituée? Alors, l'institution de la Pâque provient de l'Éternel Dieu lui-même. Lorsque son peuple s'apprêtait à sortir de l'Égypte, à quitter la domination égyptienne pour pouvoir aller vers la terre que le Seigneur leur a promise, Dieu va donc se permettre d'instituer cette fête pour permettre à son peuple hébraïque de pouvoir se commémorer cette sortie de l'Égypte. C'est pourquoi Dieu institue la Pâque. Nous pouvons lire cela dans Exode 12. Vous pouvez considérer les premiers versets jusqu'à 14, mais nous allons nous limiter à quelques versets. Je vais donc lire Exode 12. Lisons les quelques versets. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, vous comprenez déjà que dans Exode 12, les versets 1 jusqu'au verset 3, c'est Dieu qui prend l'initiative d'instituer cette fête de la Pâque. Et Dieu précise à son peuple que ce mois-ci, ce qui signifie que le jour où le peuple hébreu s'apprête à quitter l'Égypte, c'était un mois. Pour les Égyptiens, le mois-là était un mois parmi leurs mois, c'est-à-dire un mois parmi le calendrier hébraïque. Et c'était particulièrement le mois de Nissan ou Abib, qui est pour nous qui utilisons le calendrier romain, le mois de mars. Donc, Dieu dit à Israël que le mois de mars sera pour eux le premier des mois de l'année. Donc, nous comprenons ici même que Dieu instaure pour son peuple qu'il va délivrer de l'Égypte un calendrier particulier qui n'a rien à voir avec le calendrier égyptien. Alors, ce calendrier de Dieu sera donc inauguré par une fête que Dieu institue lui-même et qu'il appelle par la Pâque. Sa Pâque à lui, Dieu, pour dire simplement, c'est la Pâque de l'Éternel. Voilà comment a surgi cette fête de l'Éternel. Curieusement, nous savons qu'il y a toujours des ennemis de la Bible qui se permettent de dire que les Juifs ont copié une pratique qui existait déjà dans les religions antiques avant eux. Mais c'est parce qu'ils disent que dans les religions antiques, même à Rome, on peut retrouver cela, pour apaiser la colère des dieux, il était question pour le peuple d'offrir des animaux afin de pouvoir apaiser cette colère. Mais nous remarquons ici que lorsque Dieu institue la Pâque, ce n'est pas pour apaiser la colère de Dieu,
Mais Dieu institue la Pâque, c'est pour amener son peuple à comprendre une chose, que Dieu était passé sur les maisons égyptiennes et hébraïques pour frapper les préménés des Égyptiens, autrement dit, pour briser leur cœur. Car rappelez-vous que Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où également se trouve ton cœur. Là où était le cœur de Pharaon, c'était sur son fils préméné. Mais puisque ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu, Dieu était contraint de toucher le point fort de Pharaon afin que Pharaon puisse laisser. Raison pour laquelle lorsqu'on tua le préméné de Pharaon et du reste des Égyptiens, Pharaon était brisé et il a laissé partir le peuple de Dieu. Voilà pour votre question. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, une autre question. Comment fêtait-on cette fête? Merci pour cette question. Parce que l'incompréhension de la célébration de la Pâque, c'est ce qui amène aujourd'hui le monde entier, surtout nous qui nous appelons chrétiens, à pouvoir commettre des déviances, sinon des dérives spirituelles en ce qui concerne la Pâque. Au lieu de nous référer à ce qui d'abord est écrit, nous voulons maintenant inventer des systèmes pour pouvoir célébrer la Pâque. Oublions toutefois que la Pâque, ce n'est pas Jésus qui a créé cela, c'est-à-dire, lorsque je parle de Jésus, je fais allusion au Nouveau Testament, mais la Pâque commence dans l'Ancien Testament avec Dieu, autrement dit, Dieu le Père. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas parler de la Pâque si nous ne comprenons pas d'abord comment cette Pâque se célébrait-elle dès son institution. C'est en comprenant l'institution de la Pâque dès son origine que nous pouvons, nous, à notre tour, savoir et comprendre comment nous pouvons procéder à pouvoir célébrer cette Pâque. Alors, en posant la question, comment célébrons-nous cette Pâque ? Ici, nous parlons d'abord du côté juif pour comprendre comment les juifs comprenaient la Pâque et pratiquaient. Parce que, bien-aimés, regardez, vous voulez remarquer une chose. Aujourd'hui, l'Église a négligé Israël. Alors que nous oublions une chose, que Israël, le peuple juif, est l'horloge de Dieu. Le monde se comprend qu'en regardant Israël. Tu ne peux pas vivre sur la terre dans l'alliance de Jésus si tu ne comprends pas Israël. Parce que Israël est notre référence de base pour réaliser, pour comprendre même la ligne du temps. Voilà pourquoi dans la Bible, Jésus n'a pas dit pour comprendre les événements que nous devons regarder le Saint-Esprit. Non, il nous dit que nous devons regarder Israël. Donc, si tu comprends Israël, Israël te fait comprendre déjà comment le monde fonctionne. Israël t'amène à comprendre les profondeurs des mystères spirituels qui sont cachés. Je vais encore vous expliquer quelque chose. En parenthèse, c'est pour cette raison que l'Antichrist qui viendra, il doit être un juif. Parce que si l'Antichrist n'est pas juif, il ne peut pas être le Messie. Parce que puisqu'il va se proclamer Messie, si il se proclame Messie, ça veut dire que Messie pas par rapport au monde, Messie par rapport aux juifs. Raison pour laquelle tout commence avec les juifs et tout se terminera également avec les juifs. Alors, parlons de comment se célébrer la Pâque chez les juifs. Il faut revenir dans Exode 12, toujours. Parce que c'est dans Exode 12 où Dieu lui-même donne les principes, sinon les manières pour la célébration de la Pâque. Alors, dans Exode 12, Dieu donne certains critères ou des consignes qui permettront à son peuple de célébrer la Pâque. Parce que la première Pâque a été célébrée en Égypte, dans Exode 12, avant qu'elle soit encore célébrée une année après, lorsque le peuple sera au Mont Sinaï. Alors, avant d'abord de continuer, il nous faut préciser un élément. C'est que, à l'institution de la Pâque, autrement dit, la Pâque d'Exode 12 contient des éléments particuliers que nous ne retrouverons plus dans les autres Pâques qui seront célébrées par le peuple juif, tant au désert et jusqu'à même à Jésus. Et ces éléments sont, vous avez Dieu, si nous pouvons le lire toujours dans Exode 12 pour mieux gagner le temps, tout ce que je dis se trouve dans Exode 12. Lisez tout le chapitre, vous allez vous retrouver. Alors, parmi ces éléments particuliers, vous avez, je dis au peuple que le sang de la victime devait être mis sur les montants et les deux linteaux de leurs portes, c'est-à-dire des portes de la maison des Hébreux,
de telle sorte que le sang en question soit mélangé avec de l'hysope qui sera teinté et placé sur les maisons. Les linteaux. Si, c'est ce qu'en bon français, on appelle par les montants et les linteaux. C'est différent. Raison pour laquelle, vous allez remarquer, dans la suite des Pâques, ça n'a jamais été cela. On n'a jamais mis ça. Oui. Le peuple a célébré les Pâques, mais sans mettre le sang encore sur les linteaux ou à l'entrée de leur maison. Oui. Ça ne s'est jamais fait. C'était réservé uniquement à la Pâque d'Exode 12. Oui. Vous remarquez encore un autre élément, c'est que Dieu dit au peuple qu'il devrait avoir des reins saints. D'abord, pour parler de l'application du sang, vous pouvez lire dans Exode 12, les versets 7 et versets 12 et 13. Dieu dit que dans Exode 12, les versets 11, que le peuple devait manger la Pâque en ayant les reins saints. C'est-à-dire, il devait avoir des ceintures aux reins. Et vous remarquerez que cet élément-là ne se trouve dans aucune autre Pâque. Il y avait encore un autre élément. C'est que le peuple, d'abord permettez-moi d'expliquer pourquoi les reins saints, pour permettre au peuple d'être prêt pour le départ. Ils devaient attacher leur ceinture pour montrer qu'ils sont prêts pour le départ. Vous pouvez lire cela également dans 1 Samuel 2, les versets 4. Et encore, Dieu demande au peuple d'avoir des souliers aux pieds. Et les souliers aux pieds ici, les chrétiens diront déjà que là, il s'agit de l'évangile. Alors que ce n'est pas l'évangile. Attention. Ici, il s'agit de la responsabilité. Vous allez remarquer que Israël, les souliers aux pieds, lorsque vous lisez le livre de Ruth 4, avoir le soulier aux pieds était un signe qui montrait que tu étais responsable. Responsable de quoi? Responsable de quelque chose. Alors, de quelle chose? La responsabilité par rapport à la mission que le peuple devrait accomplir en arrivant à Canaan. Et quelle est cette mission? C'est de pouvoir adorer Dieu. C'est une responsabilité et il faut avoir le soulier au pied parce que le soulier montre la responsabilité, la capacité même de racheter. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas la capacité de racheter quelque chose pour Dieu. C'est ça le problème. Et Dieu ajoute encore toujours dans Exode 12, 11 qu'il fallait également que le peuple ait en main des bâtons. C'est-à-dire des bâtons pour le pèlerinage parce qu'il devait traverser le désert avant d'arriver à Canaan, à leur terre promise. Raison pour laquelle vous pouvez lire cela même dans Genèse 32, le verset 10 avec Jacob. Lorsqu'il va à la rencontre de son frère, il est obligé d'utiliser un bâton pour s'appuyer parce que tout pèlerin a besoin du bâton pour mieux faciliter son voyage. Et un cinquième élément, c'est que le peuple devait manger à la hâte, c'est-à-dire avec empressement parce que il n'était pas question de perdre encore des temps. Il fallait vite, vite manger, vite, vite, pour pouvoir sortir de l'Égypte. Et un autre élément encore, sixième élément, c'est que Dieu prescrit dans Exode 12, le verset 3, Dieu dira qu'il fallait le dixième jour arrêter l'agneau. Prendre l'agneau, déjà le garder, le conserver quelque part, pour pouvoir attendre le jour où l'agneau devait être immolé. Vous allez encore remarquer que dans les autres Pâques, les Juifs ne mettaient pas le dixième jour comme étant une obligation, mais au contraire, ils mettaient le plus souvent, ils utilisaient le douzième jour et le treizième jour. Raison pour laquelle, dans la suite de notre enseignement, vous allez également comprendre que Jésus aussi, lorsqu'il a célébré sa Pâque avec les disciples, la dernière, il n'a pas célébré la Pâque plutôt le dixième jour, mais il a célébré cette Pâque le treizième jour, alors que la Pâque ordinaire devait être célébrée le quatorzième jour. Raison pour pourquoi? Parce que une fois que l'agneau devait être arrêté le dixième jour, il devait être gardé. Et le fait d'être gardé devait permettre aux différentes familles de vérifier les critères exigés pour cet agneau-là. Il devait être un agneau d'une année, où cet agneau devait être sans tache, c'est-à-dire sans défaut corporel. Donc, le 10, du 10e jour jusqu'au 14e jour du matin, avant le soir où l'agneau devait être immolé, le peuple devrait donc passer cette vérification-là, bien examiner l'agneau. Alors, pour éviter que l'agneau puisse avoir des souillures ou être impur, qu'est-ce que faisait le peuple hébreu? Le peuple hébreu était obligé d'attacher l'agneau à leur lit, c'est-à-dire là où ils dormaient. Ils prennent l'agneau là, ils l'attachent sur le lit.
C'est ce que faisait le peuple hébreu, c'est-à-dire chaque famille qui devrait prendre cet agneau pour pouvoir l'immoler. Alors, ensuite, il y avait d'autres éléments qui continuaient. L'agneau devait être immolé le soir. Et ce soir, avant qu'on puisse allumer les lampes du temple et offrir l'encens pour l'offrande du soir. Pour ceux qui connaissent l'étude biblique, ils savent que les Juifs avaient une offrande du matin et une offrande du soir. Ensuite, pendant que cette opération de l'immolation de l'agneau se faisait, les prêtres devaient sonner des trompettes et les lévites, c'est-à-dire les aides-prêtres, devaient donc chanter les psaumes 113, psaumes 112, psaumes 117 ou le psaume 118. Ce sont ces psaumes qui étaient chantés pour pouvoir louer le Seigneur, le bénir pour sa délivrance. Ensuite, les Israélites, sinon les gens qui étaient chargés de transporter les agneaux vers le lieu de l'immolation, étaient classés en trois groupes. Et derrière ces trois groupes, lorsque le premier groupe entrait, la porte de l'entrée du parvis était fermée. Et un autre groupe rentrait jusqu'au troisième groupe. Alors, pour mieux écorcher l'animal, on le suspendait à des traverses qui était fabriqué par des bois de cèdre, soutenu par 8 colonnes de pierre élevées dans le parvis des prêtres et des bâtons que les hommes devaient appuyer sur leurs épaules. Une fois que l'agneau devait être bien écorché, on remettait le corps de l'animal au propriétaire, c'est-à-dire à la famille qui avait apporté l'animal pour être immolé. Et lorsque la famille recevait l'animal, ramenait l'animal à la maison pour pouvoir continuer le rituel. Et à la maison, l'animal devait être rôti. Comment on rôtissait cet animal? Pour ceux qui vivent au village, vous mettez un feu et vous mettez une barre. Mais contrairement aux autres, à nous autres, les Juifs mettaient deux barres qui formaient une croix à l'intérieur de laquelle se retrouvait l'animal. Ça, c'est les Juifs qui le faisaient. Depuis longtemps, ils le faisaient ainsi. Alors, pendant qu'il faisait ces barres qui représentaient, qui formaient la croix, il devait également ajouter à la préparation, sinon à la consommation de l'animal, des herbes amères. D'après Exode 12, les versets 7 à 8. Ces herbes amères pouvaient être les persils ou autres éléments. Raison pour laquelle on parle souvent des herbes amères. Et les herbes amères également, pour le peuple juif, c'était un souvenir des souffrances, des travaux forcés qu'ils ont subis en étant sous la servitude égyptienne. Et il devait cela, ce repas devait être accompagné de pains sans levain. C'est-à-dire que ces pains sans levain n'étaient fabriqués qu'à base du sel et de l'huile. Et pendant que les pains sans levain étaient préparés, on dit que les premiers-nés des Juifs étaient en jeûne. Les premiers-nés devaient être en jeûne et ceux qui suivaient devraient prendre leur dernier repas à midi. Parce que dès midi, le peuple ne devrait plus consommer toute nourriture qui contenait de la levure. Parce que tout ce qui était lié au levain devait cesser dès midi parce que à partir après midi au coucher du soleil, on ne devait plus toucher aux levures pour attendre la célébration de la Pâque. Et l'interdiction de toucher à la levure devrait durer pendant 7 jours, même après la Pâque. C'est là où on parle souvent de la fête des pains sans levain qui devait durer 7 jours. Vous pouvez également lire cela dans Exode 12, les versets 8 à 9. Et d'une autre prescription encore concernant la préparation de l'agneau, Dieu demanda que on pouvait tout faire avec l'animal, mais sauf briser ses os. Cela, vous trouverez cela dans Exode 12, les versets 46 jusqu'au verset 47. Dieu demande encore
que l'animal, l'agneau, devait être consommé au lieu où Dieu lui-même allait choisir d'établir son nom. C'est à cet endroit qu'on devrait manger l'animal. Mais à leur sortie de l'Égypte en Exode 12, l'animal était mangé dans des maisons. Parce que là, le peuple hébreu était à l'étranger. Dieu, il devait manger l'animal étant à la maison. Voilà la manière dont le peuple hébreu célébrait-il leur fête, disons la Pâque juive. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, nous voulons savoir à quel mois avait lieu la Pâque. Dans Exode 12, les versets 1 jusqu'au verset 2, Dieu lui-même précise que la Pâque devrait avoir lieu au mois de Nissan, qui correspond chez nous au mois de mars. Voilà le mois où le peuple devrait célébrer cette fête de la Pâque, au mois de Nissan pour les Juifs ou Abib, et pour nous, les hommes qui utilisons le calendrier romain, au mois de mars. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. À quelle heure les Juifs fêtaient la Pâque? Merci pour cette question qui est encore une épineuse question. Les Juifs fêtaient la Pâque par rapport aux heures qui leur ont été données, non par un grand prêtre, non par un lévite, non par un rabbin, mais par Dieu lui-même. Dieu dit quelque chose, si vous me permettez, je vais prendre la Bible pour mieux élucider tous ceux qui nous suivent. Dans Exode 12, vous prenons les versets 6, Dieu dit, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, c'est-à-dire l'animal, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Voyez ici, Dieu dit que les Juifs devraient immoler la Pâque, c'est-à-dire fêter la Pâque entre les deux. L'homme de Dieu, vous parlez d'une chose qui est, curieusement, j'entends parler de « entre les deux soirs ». Donc, les deux soirs là, expliquez-nous, ça se passait comment? Merci. Les deux soirs, comment ça se passait? La réponse se trouve avec Dieu, comme j'ai dit. Parce qu'il faut interroger Dieu avant de pouvoir spéculer, faire des déductions, de donner nos avis personnels. Il faut d'abord interroger Dieu. Dieu lui-même qui institue la fête. Qu'a-t-il dit en ce qui concerne les deux soirs? C'est vrai, on entend parler des deux soirs où il y a des gens qui ont créé des mythes et des dogmes sur cette expression « les deux soirs ». Parce que les deux soirs n'est qu'une expression que Dieu lui-même décortique et nous explique. Allons-y dans Deutéronome 16. Oui. Nous allons considérer le verset 5 jusqu'au verset 6. Ce que Dieu nous explique en ce qui concerne les deux soirs. Oui. Au lieu que nous soyons là à inventer des choses qui n'existent pas. Lisons ce que Dieu lui-même dit. Deutéronome 16, le verset 5 jusqu'au verset 6. Dieu dit ceci. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras, suivez-moi s'il vous plaît, que tu sacrifieras la Pâque le soir, virgule, au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc, Dieu lui-même nous explique, Exode 12, 6, que veut dire les deux soirs? Dieu dit que les deux soirs signifient célébrer la Pâque au coucher du soleil ou le soir. Voilà ce que Dieu explique. Autrement dit, les Juifs célébraient la Pâque au coucher du soleil. Et le coucher du soleil commence à 13h après-midi. Donc dès que 12h termine, 13h, nous rentrons au coucher du soleil. Donc, les Juifs célébraient la Pâque la nuit. Voilà pourquoi dans Exode 12, la Pâque a été instituée la nuit. Israël a célébré la Pâque à la sortie de l'Égypte la nuit. Lorsqu'on verra le parcours d'Israël jusqu'au désert, c'était la nuit. Vous allez remarquer même lorsque Moïse meurt, que Josué prend le relais. Josué également, lorsqu'il prend le relais dans Josué 5, si vous lisez, avant de célébrer la Pâque, puisque c'était avec Josué, c'était une nouvelle génération,
Dieu décide donc avec la nouvelle génération de célébrer la fête de la Pâque. Jésus ne l'a pas fait le matin. Jésus a respecté les prescriptions données par Dieu. Jésus a fait la Pâque la nuit. Lisez Jésus 5, vous allez comprendre que la Pâque a été célébrée la nuit. Alors, l'homme de Dieu, ici on nous parle que la Pâque doit être célébrée la nuit. Mais dans nos églises, nous célébrons la Pâque la journée. Mais c'est simple, comme j'ai dit tout à l'heure. Nos églises actuelles, sur quelle base reposent-elles pour pouvoir agir de la sorte? Parce que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit à l'époque de Jésus, que ce soit à l'ère de l'Église, aucun passage biblique ne nous dit que la Pâque a été célébrée le matin. La Pâque ne se célébrait qu'au coucher du soleil ou la nuit. D'ailleurs, Dieu dans Exode 12 interdit même au peuple d'amener les éléments de la Pâque jusqu'au lendemain. Dieu dit que si vous gardez les choses de la Pâque jusqu'au matin, vous devez brûler, ne mangez plus. Donc la Pâque devait commencer au coucher du soleil, la dernière heure de la célébration de la Pâque devait s'arrêter à minuit. Raison pour laquelle, même dans le Nouveau Testament, vous allez remarquer dans Actes des Apôtres 20, l'apôtre Paul, lorsqu'il fait la Pâque, qui était pour lui également, un adieu envers ses bien-aimés, parce que Paul arrivait à la fin de sa vie. Paul célébrait la Pâque quand? Vous vous rappelez cette histoire où on nous parle du jeune Étychus qui était tombé, il était mort parce qu'il était assis sur le fond de la fenêtre. Donc, il était un peu distrait et fatigué. C'était normal parce que Paul avait prêché toute la nuit. Mais à quel moment l'apôtre Paul a-t-il institué ou célébré la Pâque avec les disciples? On dit au milieu de la nuit, où il y a eu fraction du pain. Alors, les églises qui célèbrent la Pâque le matin, en quel verset? Donc si je vois bien, ils sont dans l'ignorance. Mais bien sûr, c'est une grande ignorance. Nous verrons cela dans la suite de notre enseignement ou lorsque nous allons parler la Pâque dans l'église. C'est l'ignorance. Deuxièmement, c'est également l'orgueil. Troisième élément égal, c'est quoi? C'est parce que l'homme de Dieu se croit qu'il est plus que la Bible. Alors que Jésus lui-même, qui est Dieu dans la chair, lorsqu'il vient en tant que fils de Dieu, pourquoi il n'a pas célébré sa Pâque le matin? Pourtant, il n'a pas célébré la Pâque le 14e jour. Mais il est mort le 14e jour. Sa Pâque à lui avec les disciples, il le fait un jour avant le 13e jour. Mais il le fait la nuit. Toute la journée, il est ailleurs, vous pouvez le faire. Mais ce n'est que le soir où il recommande aux disciples d'aller voir un tel pour montrer le lieu où le maître doit préparer la Pâque. Quand Jésus attend le soir, aucun évangile ne dit que Jésus a célébré la Pâque le matin ou à midi. Il a attendu le soir ou la nuit. Alors, d'où vient-il l'idée selon laquelle il faut célébrer la Pâque le matin? C'est parce que nous critiquons l'église catholique, soit disant que l'église catholique est le repère du diable, où on dit que c'est là où vit l'antichrist. Mais comment pouvez-vous encore imiter ce que fait l'antichrist? Ça veut dire, en imitant l'église catholique qui fête sa Pâque le matin, vous êtes au fait les filles de l'église catholique, autrement dit les disciples des catholiques, tous ceux qui fêtent la Pâque le matin. Voilà pour cet éclaircissement en ce qui concerne l'heure du matin. Pouvez encore apporter une précision? Regardez. En Israël, les pharisiens, pour eux, lorsqu'ils parlent du soir pour la Pâque, pour confirmer, nous savons que les pharisiens, c'est une secte juive. Nous savons, les pharisiens disent que entre les deux soirs, c'est le moment où le soleil commençait à baisser et sa disparition effective. Donc, de 3h à 6h du soir. Pour les Samaritains également, c'était le temps qui s'écoule entre la disparition du soleil sur l'horizon et sa pleine obscurité. Donc, tant pour les pharisiens que pour les Samaritains, sans même tenir compte de la Bible, ils célébraient la Pâque la nuit ou le soir. Pour faire comprendre qu'il est impossible de fêter la Pâque le matin. Ça, c'est impossible, c'est anti-biblique, frère, c'est vraiment anti-biblique. Voilà, s'il faut parler de la Pâque dans ces sortes. Et remarquerez encore que chez les Juifs, ce n'est pas tout le monde qui avait le droit de célébrer la Pâque. C'est-à-dire, celui qui n'était pas juif n'avait pas le droit de célébrer la Pâque parce qu'il était un peu. Mais qui avait le droit de célébrer la Pâque? C'est celui-là qui était juif, c'est-à-dire celui qui était dans l'alliance d'Abraham. Et là encore, Dieu dans Nombre 9, le verset 13, la Bible précise un élément. C'est Dieu qui dit, bien aimé, Dieu dit ceci. «
tout celui qui est dans l'alliance d'Abraham qui ne fêtait pas la Pâque était exclu. Et, non, frappé et exclu du peuple. Pour faire comprendre ici la grande importance, sinon la grande valeur de la Pâque. Donc, tout juif se reconnaissant juif était obligé de célébrer la Pâque de l'Éternel. En dehors de celui qui se reconnaissait étranger, qui n'avait pas droit. Un étranger qui voulait célébrer la Pâque avait une condition, il devait se faire circoncire pour rentrer dans l'alliance d'Abraham qui est marquée, symbolisée par la circoncision. Lorsque un païen, un non-juif, voulait manger la Pâque, il était obligé de devenir juif au moyen de la circoncision en acceptant les rituels juifs. À ce moment-là, il avait le droit de manger la Pâque de l'Éternel. Sinon, cela n'était vraiment pas possible de célébrer la Pâque de l'Éternel dans ce genre de conditions. Voilà, bien-aimés, en ce qui concerne, en un mot, les rituels pour la célébration de la Pâque. L'homme de Dieu, alors, faute du temps, j'aimerais vous poser une dernière question, parce que à la radio, l'heure, c'est l'heure. Jésus a-t-il accompli cette Pâque juive? C'est une belle question, comme vous venez de le dire, à la radio, c'est l'heure. Mais je crois que je vais juste toucher, mais je ne rentre pas en profondeur, parce que dans notre prochaine séance, nous allons toucher ces points en profondeur, faute de temps. Oui, Jésus a accompli la Pâque juive. Parce que la Pâque juive instituée depuis Exode 12, parle au fait simplement de Jésus qui est l'agneau qui devait être immolé. D'après 1 Corinthiens 5, les versets du verset 5 jusqu'au verset 8. On dit que Jésus est notre Pâque. Et d'ailleurs, c'est lui qui trahit Jésus, qui nous fait comprendre que Jésus était réellement la Pâque. Autrement dit, l'accomplissement exact de la Pâque d'Exode 12, c'est Jean-Baptiste. Dans Jean 1, le verset 29, c'est Jean qui dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Parce que, permettez-moi, en dehors de la Pâque, il y avait sept fêtes de l'Éternel. Les fêtes propres qui appartenaient à l'Éternel. Et chacune de ces sept fêtes était des fêtes qui étaient prophétiques à l'intérieur de laquelle la Pâque. Donc, quoique Dieu en instituant la Pâque comme une fête normale, mais cette Pâque cachait également un critère, un élément prophétique dont l'accomplissement se trouve en Jésus. Voilà pourquoi sur la croix, Jésus pouvait dire tout est accompli, parce que la Pâque annonçait simplement la mort de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci, merci beaucoup. Alors, vous qui nous suivez, appelez-nous au 05 696 57 57. 05 696 57 57. Ou soit au 06 996 71 71. 06 996 71 71. Si vous avez une question, appelez-nous, nous allons vous reprendre. Alors, parlons de Jésus étant l'accomplissement de la Pâque. Vous pouvez appeler 05 696 57 57 en direct de la radio. Jésus-Christ étant l'accomplissement de la Pâque juive, parce que, rappelez-vous dans Exode 12, la Pâque était là l'inauguration d'un calendrier nouveau pour Israël. Autrement dit, c'est le nouvel an des Juifs. C'est-à-dire la remise du compteur temporaire à zéro. Vous remarquerez également, Jésus-Christ, dans Luc 4, le verset 14 au verset 22, il accomplit une prophétie d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour faire quoi? Proclamer une année de grâce. Pour dire que la mort de Jésus sur la croix, tout comme la mort de l'agneau d'Exode 12, marque une nouvelle ère. La sortie. Bien-aimé, appelez au 05 696 57 57. Vous avez une question ou un sujet de prière, on peut vous aider. 05 696 57 57.
Benga biso soko zana liloba, benga biso toko koka nako reprendre yo. Soit na 06 976 71 71. Oza na question benga biso. Donc cette année de grâce marque ici, je disais, une ère nouvelle. Tout comme dans Exode 12, la Pâque, c'était pour eux un nouveau calendrier qui déterminait leur indépendance de la captivité égyptienne. Jésus également, lorsqu'il meurt sur la croix, ce n'est pas en vain. Il vient également aussi libérer son peuple de la domination du diable. Autrement dit, de la domination du péché. Voilà pourquoi dans Romains 8, les versets 1 à 2, il est écrit quelque chose de merveilleux auquel j'inviterai tout le monde à lire ce que ce Romains 8, 1, 2 nous déclare. Parce que Romains 8 confirme réellement que Jésus-Christ est l'accomplissement de la Pâque. Alors, que dit l'apôtre Paul dans Romains 1, 2? Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc nous comprenons ici, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de partout, que Jésus-Christ a accompli la Pâque telle donnée dans Exode 12, parce qu'il était l'agneau immolé pour pouvoir racheter tout ce que le diable avait lié, parce que le diable est ici l'image du pharaon. Ce que je dis, je n'invente pas. Demandez aux satanistes, demandez aux sorciers. Ils vous feront comprendre que dans les réunions nocturnes, dans les réunions dans le deuxième monde, Satan se tape la poitrine pour dire que au jour de Pharaon, c'était lui qui s'était incarné à l'intérieur de Pharaon. Et il cite également la plupart des grands hommes qui ont régné dans le monde. Satan dit que ces hommes-là, c'est lui qui les avait possédés. De la même manière aussi, le monde était mort. Parce que le péché introduit par Adam avait tué l'humanité. Bien-aimés, appelez-nous au 05 696 57 57. Bengabiso na 05 696 57 57. Ozana question, ozana sujet de prière, tokokoka nako sungayo. Donc si la Pâque d'Exode 12 traduisait l'indépendance du peuple juif, aujourd'hui, la mort de Jésus également traduit l'indépendance de tous ceux qui mettent en lui leur foi. Tu es indépendant du péché, tu es indépendant de la mort. C'est-à-dire que tu n'es plus lié à Pharaon, tu n'as plus rien à voir avec Satan ni avec ses œuvres. Deuxièmement, la Pâque d'Exode 12 inaugurait également une ère nouvelle pour le peuple juif. Pourquoi ère nouvelle? Parce que la Pâque faisait comprendre à Israël qu'une fois libéré de la dépendance égyptienne, il devait être un peuple libre. Un peuple libre qui devait rentrer dans sa destinée de gloire promise par Dieu, par leurs ancêtres Abraham. D'ailleurs, rappelez-vous que l'alliance d'Abraham est marquée par trois pères. Abraham, Isaac et Jacob. Et vous remarquerez aussi, bien-aimés, que l'alliance de Jésus, le Nouveau Testament, est aussi symbolisée par trois pères. Nous avons Dieu le Père qui est là, le Fils de Dieu, et nous avons le Saint-Esprit. Donc du coup, il y a un mariage, il y a une totale confirmation, une exactitude de l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que l'alliance d'Abraham et l'alliance de Jésus, c'est la même alliance. Ce n'est pas deux alliances, mais une seule et même alliance. Bien-aimé, si tu nous suis depuis la maison, appelez-nous au 05 696 57 57. 05 696 57 57. Ou soit au 06 996 71 71. Osa na question, osa na sujet de prière, tukukukana kusungayo, benga biso, depuis na régie, nous sommes en direct. C'est pour dire que toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, si tu sais que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, il ne faut pas célébrer la Pâque. Parce qu'en célébrant la Pâque, tu es maudit. En célébrant la Pâque, tu incites Jésus. Si tu sais également que tu es conscient
que tu vis dans le péché ne célèbre pas la Pâque. Parce que la Pâque appartient à ceux qui sont indépendants. Pas à ceux qui font semblant d'être indépendants, mais à ceux qui sont indépendants, qui reconnaissent qu'ils n'ont plus de rapport avec le péché, sinon avec les œuvres du diable. Alors, pour continuer à démontrer que la Pâque, c'est Jésus, remarquez qu'on dit que l'agneau devait être d'une année. Mais remarquons que Jésus également, dans Colossiens 1, les versets 13 à 19, on nous dit que Jésus-Christ est le premier-né en toutes choses de la création, parmi les morts, parmi les humains. Il est le premier-né. Donc, on voit la primauté. Un nom égale à un nom de Jésus. Donc, c'est une année. Primauté de Jésus sur toutes choses. Que ce soit sur les esprits, que ce soit sur les anges. Il est partout un. Même lorsque il naît comme un homme dans le ventre de Marie, la Bible déclare que Jésus n'est pas né dans le ventre de Marie comme le second fils. Il est né dans le ventre de Marie comme le premier-né de Marie. Voyez cela dans Luc 2, le verset 6, le verset 7. Voyez qu'il y a une concordance. Remarquez encore. On dit que ça devait être un agneau mâle, c'est-à-dire un agneau masculin. Remarquez que Jésus, lorsqu'il est né, il n'est pas né femme. Jésus est né homme. Voilà pourquoi on l'appelait fils de l'homme. On l'appelait fils de Dieu. Raison pour laquelle même dans Jean 3, 16, il a dit lui-même que Dieu a envoyé son fils unique. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Cette émission, c'est votre émission Tourisme au ciel. Cela a été présenté par le docteur Véracité Katène, à la supervision votre humble serviteur, l'évangéliste Christo Nanga. Pour plus d'informations ou édifications et soutien spirituel, appelez au 06 681 18 98, soit au 05 039 96 90, 06 06 681 18 98, ou soit au 05 039 96 90. Que Dieu vous bénisse abondamment.